Si ce breuvage trouve ses origines 6000 ans avant notre ère, soit des milliers d'années avant la roue et l'écriture, si cette boisson est la plus consommée sur la planète après l'eau et le thé, c'est bien pour une raison. La bière, c'est de la potion magique. C'est scientifique, la bière c'est bon pour ce que vous avez, les études sont formelles, enfin, faites gaffe quand même, parce que les études on leur fait dire ce qu'on veut, surtout quand on est alcoolique. Numéro 1, la bière renforce les os. Vous pensiez que c'était le lait ? Connerie. Sachez-le, éthanol plus silicium plus phytoestrogène dans un verre de 50 cl, c'est le petit déjeuner des champions. Ce sont des chercheurs espagnols qui ont mené cette étude sur des femmes en leur faisant avaler une pinte par jour. Les examens au rayon X ont parlé, la bière rend invincible. Numéro 2, la bière diminue les risques d'infarctus. Une étude grecque est formelle. 2 heures après s'être enfilé 400 ml de bière, on observe une amélioration du flux sanguin et donc une baisse des risques d'accidents cardiovasculaires. L'étude précise que ça ne marche pas avec la bière sans alcool, ni avec de la vodka, mais ça valait le coup d'essayer. Numéro 3, la bière réduit le diabète. Une étude espagnole encore qui nous explique que les humulones, principe actif du houblon qui donne à la bière son goût amer, auraient un effet préventif contre le diabète. Les chercheurs préconisent une bière pour les femmes, deux pour les hommes et c'est la vie éternelle assurée. Bon, on résume mais c'est l'idée quoi. Numéro 4, la bière est aussi hydratante que l'eau après l'effort. On arrive là dans la section des études un peu douteuses. Cette découverte a été présentée dans un symposium en Belgique baptisé « Bière et santé » pour vous donner une idée du sérieux de la chose. Et c'est encore un Espagnol qui a découvert ça après un jogging. Une petite bière, c'est aussi efficace qu'une bouteille d'eau. Si vous avez l'habitude de déboucher une canette à la mi-temps d'un match, c'est vous qui avez raison. Bien joué. Numéro 5, la bière protège contre les coups de froid. Encore une étude douteuse commandée par un brasseur japonais, mais qui pourrait nous expliquer pourquoi les gens bourrés se mettent aussi facilement torse-poil. Il semblerait que la consommation de bière contribue à exterminer les virus responsables des bronchites et des pneumonies. Par contre, l'étude précise que pour que ce soit vraiment efficace, il faut avaler au moins 30 pintes. Normalement, à ce niveau-là, vous serez malade d'autre chose. Numéro 6, la bière protège des calculs rénaux. Une étude menée sur des Finlandais démontre que la bière permet de lutter contre la formation de petits cailloux hyper douloureux dans les reins. Mais les auteurs de l'étude admettent que ça marche surtout parce qu'il y a de l'eau dans la bière. Du coup, ça marchera avec n'importe quel liquide qui fait pisser. Mais si vous voulez une autre raison de commander une pinte, ça marche. Numéro 7, la bière améliore la mémoire. Vous buvez pour oublier ? Mauvaise stratégie. Le docteur Jiangbo Fang de l'université chinoise de Lanzhou est formel. La consommation régulière de bière permet de lutter contre la dégénérescence du cerveau et notamment contre Alzheimer. Pensez-y au moment de réviser vos examens. Un chapitre, une pinte, un chapitre, une pinte, et c'est la mention assurée. Numéro 8, la bière rend heureux. Il n'y a pas que la santé de votre corps qui compte, il y a la santé mentale. Une récente étude allemande s'est demandé quel produit alimentaire déclenchait le plus de sécrétion de dopamine dans le cerveau, et bingo, c'est la bière qui arrive en haut de la liste. Pour le vérifier, entrez dans un bar et criez « Tournée de bière pour tout le monde !» et vous verrez se dessiner le bonheur sur le visage des personnes présentes. Voilà, on aurait pu faire un top 1500 des effets négatifs de la consommation de bière sur votre santé, mais on nous aurait traité de rabat-joie. Juste un conseil, méfiez-vous de l'abus d'alcool et surtout méfiez-vous des études. Salut !